C'était quoi du coup? Tu peux, vas-y, balancer ce qu'il y a d'écrit du coup sur l'annonce. Les rocheuses vous appellent, prenez tous les risques. Ouais. Ça glisse. Tous les risques. Et t'as vu la voiture en orange qui est sur le côté? Parce que moi, là, on ne la voit pas sur mon écran, mais tout à l'heure, je l'avais vue. Il y a une voiture en orange sur le côté, elle est trop bien. Elle est trop bien. Prenez le volant Pète des sa race. nouvelles hypercars. Oh, traversez les sommets enneigés avec la Pontiac qui tourne pas. Ouais. Ah voilà, c'est... Street Expert, c'est quoi cette bagnole là en troisième? Cette bagnole du futur là. Le grand C'est pas final une d'une voiture course ça. à 5 étapes. C'était 5 étapes, un tour de stand? Oui. Ouais. Ouais, c'était 5 étapes aussi, je Nouveau crois. Life Summit. La Ying, la Ying, c'est la. Oh, la voiture en mode. Oh, la masquée d'édition. On appuie Allô. sur Ah continuer. non, mais les roues. Hein? Les roues sur la Dodge Charger. Nous Oh, voici, les nous roues, trop voici. bien. Bah voilà. Ah, t'as vu la Dodge, hein? La Dodge! Non, mais moi, c'est surtout son custom qui me plaît. Bah oui, c'est ça Oh, que je te son disais. custom, mais il est trop bien, son custom. Ah, la Dodge en haut, là. Oui, la Dodge Charger Yin. On va pas ouvrir ça pour l'instant. On va faire un petit tour dans le QG, c'est ça? Underglow année lunaire. Oh là là, mais faut beaucoup trop bien. Et bien sûr, c'est l'édition Masked. Je peux pas l'acheter. Par contre, celui-là, je l'ai. Habit of Legend. Qu'est-ce que Je vais quoi? dans le QG, Ouais. Oh, le lapin crétin! Non. Attends, sortons de là. Un lapin crétin partie légende. Mais qu'est-ce que c'est ce truc? C'est une voiture en mode. Je la vois. C'est une voiture en fait, en mode vortex avec les lapins crétins là, qui s'en vont dedans. Et le design. Un lapin crétin sur le dessus de la voiture qui est attaché à une barre et qu'elle vend, bah, elle vend dans la tête. Et t'as une peinture lapin crétin, boule disco devant, bah, Rabbids Party of Legend sur le côté avec des dessins du coup de, bah, en rapport avec les lapins. Si Nissan GT-R Simo et l'autre c'est Oh là là. une Porsche 900, oh, une vieille Oh là, et Porsche. ils sont pas sérieux. Hein. Eh, ils sont pas sérieux. Tu me la fous cette Et où le Porsche? summit du coup? Parce que j'ai des récompenses à récupérer. Putain, je suis en bronze, j'ai l'impression. Oh là là. Oh là, oh cette merde. Absolue. Hein. Oh, je suis bronze. Je suis bronze. J'ai même pas les pièces. J'ai même pas les pièces de fabrique en plus. Je vois pourquoi il adore la Dodge Charger en édition Dragon. Ah bah oui. Ah en plus là c'est le summit Rabbids Party of Legend en plus. Et après le Wacky Snowride. Ah, dégage tous les semaines de challenge là. Ah oui je suis rendu à icône presque 200. Ah oui. J'ai compris. Après c'est le Winter Runner Le et klaxon, le mais j'avais pas bu. Fly in Le German klaxon. et Under the Radar. Bouah! Bouah! Il me le faut. Je vais faire chier tout le monde avec ça. en plus, tu peux avoir un Ford Raptor. Oh, il y a la même lampe. Attends, celui-là, tu peux avoir le Raptor Monster Truck. La moitié La d'ensemble. même lambeau que dans Asphalt 9? Dans l'event de Summit là, tu peux avoir les pneus lapin crétin épique. Alors attends, lapin crétin, tu vois ça où? Bah, dans le Summit que t'as certainement commencé, je pense. Non, que j'étais encore de Mais bon, là, on n'est regarder, pas là pour ça. j'étais encore de regarder le mec. Bah! Le klaxon. Le klaxon de lapin crétin. Alors, D'ailleurs, le moteur. Le regardez, moteur passe regardez, déjà? regardez.
Bronze. T'es bronze? Non, c'est argent. Ah, j'étais or. Oh merde. Oh, tant pis. Pour moi, j'aurai au moins l'argent. Il y a quoi Oh, dans. cette moto! Cette moto, elle est parfaite. Rien à redire sur elle. On va prendre des Sur récompenses. elle, j'en sais rien, mais pas trop de choses non plus. Ils me disent que j'ai quelque chose de nouveau là-dedans. Mais je vois pas de quoi ils me Bien parlent. sûr, j'ai passé à côté du loot légendaire boosté. Hein. Et ouais. Ah, à 200 000 Moteur points passe. près. Ah, attention, moteur Le passe. filtre cette fois. Maintenant c'est toi, Le moteur moi passe est et la prêt. vérité. T'as surmonté tout ce que le désert t'a fait subir. Mais la vérité, c'est que cette première Si tu course vas dans le était une moteur passe, t'as le qualification. mec qui cause. Un moyen de trouver un pilote en qui j'ai confiance pour la vraie compétition. J'appartiens à une sorte de club, tu vois. Un groupe de 8 anciens pilotes de street qui ont chacun repéré et testé un champion pour la grande épreuve d'aujourd'hui. Les pilotes que tu vas affronter sont les autres gagnants et ils sont pas comme les clones que t'as éliminés avant. Là, on parle de la crème de la crème. Oublie ta voiture de street. Aujourd'hui, on fait une course d'hypercar sur les sommets enneigés et rocheuses. On est une équipe maintenant. Donc je te préviendrai des obstacles et des conditions. Mais c'est à toi d'aller chercher la victoire. On est sur le point d'atterrir à San Francisco. Quoi qu'il arrive, reste concentré. Suis les indications. Et rappelle-toi, on a tout à gagner ici. Zard Rush. Voilà. Alors, je suis dans le summit hebdomadaire et qu'est-ce que je vois? La moitié de l'ensemble légendaire boosté. Ouais. Et moi, je viens de voir la vidéo du coup et je fais... Ouais, quand même, hein. Ouais, quand même, hein. Ça veut dire que normalement, hein, les voitures contre qui on va être là, du coup, normalement, elles sont censées nous suivre bien, du coup. Si on est une voiture boostée à fond, elles sont censées nous suivre un minimum. Donc il faut que je lance parce que je l'ai pas lancé. Allez, hop. Ouais. Juste, tu vas dans le... Plus de filtre, Tu cliques toi. sur le moteur passe. Maintenant c'est Ouais. toi, moi et la vérité. T'as surmonté tout ce que le désert t'a fait subir. Mais la vérité, c'est que cette première course n'était qu'une qualification. Un moyen de trouver un pilote en qui j'ai confiance pour la vraie compétition. J'appartiens à une sorte de club, tu vois. Un groupe de 8 anciens pilotes de street qui ont chacun repéré et testé un champion pour la grande épreuve d'aujourd'hui. Les pilotes que tu vas affronter sont les autres gagnants et ils sont pas comme les clones que t'as éliminés avant. Là, on parle de la crème de la crème. Oublie ta voiture de street. Aujourd'hui, on fait une course d'hypercar sur les sommets enneigés et rocheuses. On est une équipe maintenant. Donc je te préviendrai des obstacles et des conditions. Mais c'est à toi d'aller chercher la victoire. On est sur le point d'atterrir à San Francisco. Quoi qu'il arrive, reste concentré. Suis les indications. Et rappelle-toi, on a tout à gagner ici. Avec cette voiture qui va être incontrôlable. T'es arrivé à la fin du coup? Ouais. Ah non mais non mais non mais c'est un truc de dingue là. Comment il te sort ça en plus? Pour la vraie course. Le vrai défi. La Prélium, Non, elle est je vois pas. belle, la Prélium là, et mais la Ford. Là, la deuxième partie d'un ensemble est pour Hypercar, tu peux avoir dans le moteur passe arrivé au niveau 35, un ensemble complet de notoriété, l'ensemble complet notoriété légendaire, tu sais, avec le boost de followers, le boost de d'argent, le boost d'argent et le boost de followers. J'ai trois objets débloqués. Micro Tempesta, oh, cette Ender bagnole. Glove. Andoisé. Hein. Microcrédit. Nitro Delta avec des symboles Delta, c'est pas mal Hypercar, ça. Fat and Furious. Ça rappelle presque été ça. Ah, la première, je l'ai déjà. Je l'ai eu obligatoirement. La première, j'ai eu jusqu'au 9. C'est ça?
Ouais, j'ai jusqu'au 9 à ce qui paraît. Ouais, ça se voit pas les 50 000 bucks en plus. Hein. Si je les ai bien eus. Alors, regardons qu'est-ce qu'il y a. Cet chargeur qu'il me faut, absolument. 3 millions. Et il demande. Et la dernière fois, il te demandait, je crois. C'était pas 4 millions qu'il demandait la dernière fois. Je sais pas, je me rappelle pas. Là, il te demande 4 millions. 4 millions de bucks. La veste élégante, la classe. Les pneus, ouais. J'ai 27. Une teinte, je sais sur quelle voiture je la mettrai. Ouais, ouais. Attends, attends, la bleue là, c'est une Bugatti là ? Oui. Celle qui est en place numéro 1, c'est une Bugatti. Du Mentor Pass. Ouais. Ah, il y ressemble même pas. Au Bugatti qu'on connaît. Bah, ça, c'est vrai que. Et donc voilà, on est de retour. Et je viens de récupérer 3 pièces légendaires dans ma boîte aux lettres. Et moi, je viens de voir que j'avais pas pris mes pièces. Oh, je lui ai mis un manteau et un pantalon un peu plus chaud, tu vois, avec des un équipement adapté au bah la zone froide qu'on va attaquer avec le blizzard. Attends, mais 320, mais c'est qui va me booster mon véhicule? Il y a marqué 320. Si mon véhicule n'est pas 320, ça va être quand même 320. Bah oui, ça va être quand même 320. La pièce, ça t'a dit 320. Donc la pièce, elle est à 320. Voilà, j'ai pris rien dans ma boîte aux lettres. Mais par contre, j'avais toujours la petite enveloppe. C'est peut-être un ami qui m'a écrit. Ouais, mais il faudrait trouver où est-ce qu'est la boîte aux lettres. Je crois qu'on ne l'a jamais trouvée, cette boîte aux lettres. Vraiment. Il paraît que j'ai une Spider Silvery Edition. Mais elle va moins vite que les deux autres voitures que j'ai. Elle est peut-être plus maniable. Montera, qui depuis qu'il fait du The Crew, connaît toujours pas ses touches. J'aime bien, c'est la P1 Goldline Edition. Elle a plus de puissance, mais elle va moins vite. Paf, pour l'instant, on va upgrader elle. Niveau 20, rang 22, s'il te plaît. Oui, et je veux pas regarder. Non, j'ai mais la Bugatti, tu l'as dès le départ. J'ai 23 objets débloqués. Moi, elle était au rang 1. Elle est au rang, je sais pas combien. Ce que tu sais, c'est que tu l'as. La moto. Le casque. Invité. On te réinvite. Attends, il y avait un type. Je crois que j'ai entendu mon casque à plat. C'est foutage de gueule. Je crois que le casque de Mantera, il a des problèmes. Ah voilà, Raj Ragaki qui est là dans la session. Oh, les roues parfaites pour cette voiture. Ah voilà, voilà, donc là on a la logique quand même. Ah non, on n'a pas la logique, non. Vous êtes le nouveau leader du groupe. Oh. Il voudrait mettre un dragon sur son toit. Un toit dragon lunaire. Ça fait bien. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. J'ai que les gratuits. Et celle-là, vu que la Bugatti qui est à la place 1 n'est pas gratuite, et pas sur un emplacement gratuit, je ne l'ai pas. Mais attends, je vais avoir le nitro anodisé. Les pneus. Ah non, c'est pas les pneus. Non, c'est pas les pneus japonais. Oh, j'ai. Sur le coup, j'ai cru que c'était 50 000 bucks, comme si j'en avais pas assez.
Le hypercar Fast and Famous, ça on l'a déjà, c'est ce que j'ai récupéré du coup. Mais du coup, ce que j'ai fait pour acheter, hein, donc du coup je l'achète, voilà, Personne lunaire. boum. Donc rang 22, hein, comme Mantera, rang 22. Il faut. La Bugatti qui était la première place. Le casque du futur, je crois que je vais mettre ce casque-là à la place. Les pneus, le toit droit, la fumée La de dragon. Dodge que je voulais. Oh, parfaite. Ah, mais c'est ma voiture et que j'adore. Je vais peut-être mettre celle-là là, pour ce qu'on va faire là. Hein. 50 000 bucks, l'under gros dragon lunaire. Peut-être Le pas. toit lab. Quand je l'écoute, mais ils La ne veste pas. Ils la mettent élégante. pas. Non. Pack de buck. Non, c'est ça qui est chiant. La Dodge Charger SRT8, la Bédition, c'est une street ou c'est une hypercar, elle? Elle n'est pas une hypercar, elle. Cette Dodge. C'est une street, ça. Une street ou une touring car. Le toit lab. Sur quelle voiture qu'ils me le mettent, ça? Sur une dragster, j'ai l'impression. Des bugs, encore plus de bugs. Tenue élégante, comme il a dit Mantera. Nouveau Des klaxon. pneus lab. Mou. Un autre pack de coups crédit, la teinte lab 15 et rangs. l'underglow lab. Un Dodge Buck, un klaxon. Waouh! Non, c'est pas des rangs, ça, c'est Pack de des pièces. Motor Stars. Pack de coups crédit, nitro, ruban coloré. T'es C'est sûr? terminé. Déjà. Moi, je ferais plus 2. Non, c'est nul. 2, ouais, on serait à côté de la Saline S1 Icebreaker. Du coup, véhicule. Bon. Parce que cette moto, elle est très bien, la Dragster, Ducati Dragster, qui est une street. Alors, regardez si c'est une street, du coup. Ah, c'est une hypercar? La C'est peut-être une Bugatti. hypercar? Alors non. La Bugatti, c'est bien une hypercar, du C'est coup. elle que je vais. Et je mets les pièces légendaires dedans parce que. Et... Ouais, même si j'aurais bien utilisé ma Golden Nugget. Mais là, bon. Désolé, mais bon. Voilà. 289. On peut pas. Alors, j'ai une pièce là, je vais la déséquiper parce que j'ai une légendaire là. Deuxième Il emplacement faut la mettre là. 269. C'est laquelle? Donc, je regarde, c'est une quoi? C'est seulement du coup une touring car alors? Bah alors, je l'ai pas. Elle apparaît pas. Dodge Charger. Dodge Charger quand même déjà. C'est une street. C'est une street. Ah oui, elle est là. C'est juste que je suis passé à côté un peu rapidement. Avec le petit moteur là. Qu'on voit dépasser un peu. Peux rouler avec la street. Alors attends, avec le. Alors, attends, il y a marqué. L'autorité à Edelmar, Québec, attends. Donc 198 Hop. déjà. Hop, 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 hop. Dans le doute, on va quand même lui mettre un. Oh, allez, déjà 280. On va quand même lui mettre un set équipé. Normalement, elle est noire. Voilà, au cas où s'il y a besoin de s'en servir. Bien sûr, la Dodge Charger en mode 01 customisé. Hein. Voilà.
customiser en mode General Lee jusqu'au bout, comme j'avais fait sur le 1. Mais là, celle-là, on a pu le faire jusqu'au bout avec les vanités qu'on peut faire sur celui-ci, qui sont beaucoup plus poussées. Mais genre beaucoup plus, hein. Vraiment. Vraiment, hein, c'est un truc de dingue. Non, c'est pas les vanités, c'est des livrets plutôt. Je vais voir sur l'autre voiture que je pourrais. Que je vais utiliser aussi. Quoique je pourrais utiliser la Golden Nugget au final, hein, en vrai. 400, attends, 416. Ah oui, quand même. Une vitesse max 341 et là 348. Ah, c'était les pièces qui faisaient ça du coup. Wow. Donc, customiser. Je kiffe trop. Les vanités d'abord. Petit pneu à flanc blanc, là. Pneu de ligne doré. Anodisé à flanc rouge. Les pneus lab. Je vais mettre ceux-là, les anodisés, tiens. En fête de Noël, c'est un petit peu passé. Dragon lunaire, j'ai trop bien. Ouais. Mais là, pour l'endroit, peut-être que je mettrais l'advection. Ça irait bien avec le blizzard. C'est vrai. Mais ouais, c'est vrai que le dragon lunaire, quand même, il y a quelque chose. Alors, si je ne vais pas la mettre là. Ruban colorine. Hein. Alors, Que l'éruption solaire est mieux quand même rouge que l'anodisé. foncé. Ouais, allez hop. Ouais. There. On a un klaxon épique. Ah tiens. Oh, j'adore cette voiture. Vitre noire, royal, advection, ligne dorée, teinte lab. Poids, poids. Comme ça, elle est parfaite pour le moment. Ah, le klaxon lunaire. Oh, mais mon klaxon préféré, damn. Ma voiture dorée, elle se retrouve où maintenant? Attends, non, c'est pas une Strix, ça. Burger. Bon, Là. bah, j'ai mis ça. On l'entend pas, ça m'embête un petit peu quand même. Pièce esthétique, je peux pas en mettre! Oh, je peux pas la modifier! Oh, c'est nul. Oh, c'est moche. Oh, c'est moche. Oh, c'est dommage quand même. Tu vois, j'aurais pensé que les roues de ondoisé, ça allait bien sur la dorée. Non. Alors, mettre ça Mais. dessus qui est écrit en bas Alpine. Ah non, c'est pas une Alpine quand même. Oh, eh.
Un parcante andoisé là, là. Oh, comme oui. Ouais, andoisé là. Là, j'ai fait le truc moqueur avec le dragon sur le toit. Qui coulole. J'adore. Couleur 100% là. Allez hop, je mets. Tiens, moi je vais faire de la pub pour Michelin. Micheline! Michelin, les pneus Michelin, tu vois. Non mais c'est Bugatti, hein? Pouah, pouah, pouah. Les Non, dizaines il n'y qu'ils avait font quand aucune. même. C'est des trucs de ouf les dizaines qu'ils font. Yokohama. Voilà. Ouais, celui-là est quand même, a l'air quand même d'être bien. En full blanc, et le mec, il a juste écrit Michelin en bas quand même. C'est Oh, les roues Michelin. de andoisé là sur la Bugatti, quoi, avec le bleu qu'il y a là. Ça ressort, mon Dieu. C'est laquelle qui Oh. était en rouge comme ça là? Celle-là? Mais Oh pelé lolo lolo. noyé en fusion rouge, ça ressort bien aussi ça. Et ça pourrait être pas mal quand même en rouge là. Hein. Comme ça sort beaucoup moins, j'ai l'impression. C'est en rouge là, elle pète. Elle pète un truc de fou. Ça va péter. Anodized, Anodized édition en plus. C'est l'édition anodisée, donc je devais mettre des trucs anodisés dessus, c'est obligé. Anodized édition. Nous disait... Ah ouais, c'est vrai, j'ai Là. pas fait du tout attention. Moi non plus en fait, et sur le coup c'est après que j'ai vu ça. Ah voilà pourquoi j'ai adoré. Ah, nous disait, nous disait. Le Z, il est où? Fête de Noël! Ah ouais, c'est vrai que hein, les gens disent ça, je kiffe trop. Je lui dis oui. Ah non! Pas le mode photo! Non. Le doré. Le noir. Pièce esthétique. On peut pas en mettre, Non, je mais crois, des c'est... pièces esthétiques. Une livrée? Ouais. Je crois que je vais la T'as laisser combien pour de quand pots même. d'échappement en fait, toi? Elle a 6 pots d'échappement. Mais c'est quoi cette voiture du démon? Oh, comme ça, oula, oui, elle est trop bien comme ça. Ça sert trop bien. Ah, ouais, aïe. Bon, ça y est, j'ai craqué pour l'autre. Non. Maintenant, toutes les livrées sont nulles. Oh, The Punisher.
Tu retournes sur ta livrée que t'as adoré. Et voilà. Allez hop, j'ai explosé mon propre score. Enfin, je l'ai pété de 10 km/h. Voilà. Deck. Deck. Oh bah il pleut. Je sors. Je sors, j'ai dit. Qu'il pleuve, c'est normal, c'est le début des emmerdes. Je crois qu'il y a une belle surprise qui nous attend au QG. On est au QG parce qu'il y a un bail que j'ai pas été. Que fous de ma gueule. Tu me dis parce que j'ai la petite. Ça se trouve, en fait, tu vas au mauvais QG. Voilà. Non, j'étais dans les deux QG, c'est les mêmes. C'est ça. Attends, mettons, utilisons celle-ci. Il faut que je teste cette Bugatti quand même. Mais mettons. Je t'ai fait un 29 coups. Je m'en souviens plus. Tiens, j'ai plus de caption de nouveau. Oh, c'est un souci ça quand même. Ça, c'est un vrai problème. Il faudrait qu'on commence les activités en plus. Bah, c'est quand tu venais, moi. Ouais. Je sais même pas où est-ce qu'elle commence. Je crois que je sais même pas où est-ce qu'elle commence le premier en plus. Tu veux voir le design de ma Bugatti? Après on commence. Il a dit que ça commençait à San Francisco le gars, donc il faudrait se rendre à San Francisco. Moi je dis. Non, ça doit être celle-là, voilà. One shall remain. C'était du hypercar qu'il avait dit le gars. Ouais, ouais, voilà. Tu sais, je viens de penser. Je suis sur quoi que je vais mettre le dragon. Et mes dragons lunaires. Sur une voiture d'une drift. Voilà, je t'attends à côté du coup de la porte de l'activité. Comme ça, tu peux montrer ton design de voiture. Ok, chef. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'icônes sur la carte. Ouais, et il y en a de plus en plus de pas faites. Voyager vers. Ah! Je te vois pas. Pas de soucis. Moi non plus, comme dans le 1, t'es dans le sol. Ah, de là. Ah oui, voilà. Je me suis demandé, mais il est passé où? Ah oui. Ah oui, c'est... Ouais, c'est blanc. C'est blanc et noir. Ouais, ouais. On a les mêmes roues. Voilà. Sauf que moi... Oui, j'ai le même. Oui, j'ai le même, regarde. Mais je vais le mettre sur un drift. Parce que comme j'adore faire du drift, ça va être super. Ouais. Ouais, monsieur, mais ça se fait, hein, ça passe. Hein. Après, moi, là, actuellement, comme ça, en rouge, on dirait plus une Ferrari ou une Ford GT, hein, mais voilà. Quelqu'un qui voit juste une voiture comme ça, qui s'y connaît pas trop en Bugatti ou en voiture tout court. Là, la voiture, tu la prends pour une Ford GT pour moi. Oui, parce que c'est peut-être une Bugatti ancienne celle-ci. Ouais, ça doit être ça, oui. Ouais, et du coup, la course est là. Si, il faut qu'on rentre au K1.